مراسم سال نوی میلادی در اوبرسورواز با حضور شهرداران و منتخبان و شخصیت‌های فرانسوی. سخنرانی‌های ژان پیر مولر، برونو ماسه، گی اشمید، ژرار وسپیر و سیلوی فاسیه. ژان پیر مولر، ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم. آنهایی که تحت رهبری مریم رجوی هستند، سالهاست مشعلی را در سراسر ایران برافروختند که راه آزادی و دموکراسی را نشان می دهد. برونو ماسه، مردم شجاع ایران با جنبش بی‌سابقه خود به حکومت مذهبی پایان داده و دموکراسی و آزادی را به دست می آورند. گی اشمید، باید از خانم رجوی حمایت کنیم. او قدرت آن را دارد که یک ایران آزاد و دموکراتیک را محقق کند. ژرار وسپیر، قانون‌های شورشی با پذیرش خطر زندان و مرگ راه جنبش کنونی را هموار کردند. شهردار سیلوی فاسیه، حمایت خود را از انقلابی که در ایران جریان دارد اعلام می‌کنیم. Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, chers amis des Moudjahidines du peuple, chers amis. Pour autant, permettez-moi de vous dire combien je suis ravi et heureux de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Contrairement à bien d'autres fois, je ne suis pas parmi vous à Auvers ce soir. J'espère néanmoins vous revoir à nouveau très bientôt, comme on dit, en vrai. 2023 nous en donnera peut-être rapidement l'occasion. J'espère en tout cas de toutes mes forces pour enfin fêter la chute de ce terrible et sanguinaire régime d'Emola. J'y crois de toutes mes forces parce que ce qui se passe actuellement en Iran, dans tout le pays et pas seulement à Téhéran, je le pense également, ce n'est pas un simple feu de paille, ce n'est pas un mouvement de protestation géographiquement isolé, mais bien un profond mouvement de révolte, d'une intensité, d'une ampleur inédite depuis l'instauration de la dictature religieuse. Le monde entier, sur tous les continents, l'a bien compris. Le peuple iranien, avec au premier rang ses femmes et la jeunesse iranienne, et par son extraordinaire courage, pleinement déterminé, quitte à prendre les risques les plus insensés, a mené au bout la révolution démocratique entamée en septembre dernier. Cette révolution qui amènera au renversement du régime et à rien d'autre. Le jeu de dupes des factions prétendument, comme l'affirmaient certains en Occident, plus fréquentable pour certaines, le mirage d'une improbable réforme de la théocratie, si tant est qu'il l'ait été un jour, ne semble définitivement plus d'actualité. Parce que l'Iran vit aujourd'hui une véritable situation révolutionnaire. Cela a été dit, qui est le résultat de 40 ans d'oppression, de 40 ans de répression, de tyrannie et de négation des droits humains. On ne reviendra pas, j'en suis persuadé, vous l'avez dit également en arrière. Aujourd'hui, le futur de l'Iran, ce n'est plus une dictature civile, à l'image de celle du Shah qui remplacerait celle des Mollahs, ou l'instauration d'une république, d'une autre forme de dictature religieuse. C'est l'instauration d'une république pluraliste et laïque. Chère Mariam, chers amis des Moudjahidines du peuple, sachez que pour cela et pour ce que vous êtes, les amis de la liberté que nous sommes, restons naturellement comme hier à vos côtés, aux côtés du peuple iranien, car l'Iran des Mollahs ne saurait être l'Iran, l'Iran des Mollahs n'est pas l'Iran. Les filles et les fils de l'Iran que nous aimons sont bons et courageux, à l'instar de ceux qui sont dans vos rangs et qui, chère Mariam, sous votre égide, ont pendant des années et des années porté les flambeaux avec lesquels ils ont dans tout le pays, allumé les bougies qui brillent aujourd'hui avec une lueur plus grande encore, et montre le chemin vers la liberté et la démocratie. Je veux à cet instant saluer nos amis ashrafiens que j'ai pour beaucoup rencontrés en Albanie. Je salue leur détermination, leur courage et leur capacité inouïe de résilience. Ils sont des modèles que j'admire ô combien. Les Mollahs enchaînent, emprisonnent, torturent, formant des attentats en Europe, et Jean-Pierre y faisait référence également tout à l'heure. Les Mollahs tuent, se moquent, leur sourire cruel et sadique aux lèvres,
les mères dont ils ont fait pendre les fils à la suite des manifestations organisées au lendemain de l'assassinat de Mahsa Amini. Ce matin encore, les chaînes de télévision du monde entier, pendant longtemps, bientôt muettes, affirmaient que le régime iranien était inexorablement appelé à tomber. Nombre de gouvernements condamnent ces exécutions barbares et reconnaissent les légitimes aspirations des manifestants. Gageant que l'année 2023 ne sera pas bonne pour les mollahs et qu'à contrario, le peuple iranien retrouvera sa souveraineté et sa liberté, enfin débarrassé de ceux qui constituent, au-delà du martyr qu'ils infligent au peuple iranien, un régime toxique et dangereux pour la région du Moyen-Orient et la paix dans le monde. Vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, les jours des mollahs sont comptés. Chère Mariam Radjavi, chers amis, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 dans un monde apaisé, engagé, espérons-le, partout pour la paix, pour l'amitié entre les peuples. Et moi aussi, je forme le vœu, et ce n'est plus une gageure, de nous retrouver en janvier 2024 sur la place de la Liberté à Téhéran pour partager là-bas la joie de nos amis, enfin, enfin libérés du joug de la dictature religieuse. Bonne année à vous. Madame la Présidente, chers amis, c'est toujours un très grand plaisir de se retrouver ainsi à l'aube de notre nouvelle année. La cause commune qui nous réunit depuis des dizaines d'années a formé une véritable union de sensibilités si différentes, et l'aéropage présent sur cette scène en est la preuve, que j'espère qu'après la victoire et la libération de votre pays tant aimé, victoire prochaine, cette union perdurera. Je voudrais cette année présenter mes vœux tout particulièrement à l'ensemble du peuple iranien qui a décidé, dans un mouvement de protestation sans précédent, de mettre fin au régime tyrannique et violent de la théocratie en place pour une démocratie nouvelle, symbole de la liberté retrouvée. Plusieurs signes montrent que le pouvoir en place est aux abois et sans sa fin prochaine. La violence extrême de la répression en cours depuis novembre dernier, illustre l'effroi dans lequel se trouvent les mollahs et plus particulièrement le trop célèbre bourreau de 1988, le président Ibrahim Raisi. Mais cette fois, il semble que pour le peuple d'Iran, la coupe soit pleine. Après les émeutes et les soulèvements de 2018 qui se sont soldés par plusieurs milliers de morts, après une gestion du Covid catastrophique dénombrant plus de 500 000 décès, depuis novembre 2022, la rébellion est présente, la révolution est présente. Et c'est cette ampleur sur l'ensemble du territoire, inégalée jusqu'à présent, qui fait tant trembler le pouvoir en place. La seule réponse est la dramatique répression mise en place. En 2022, plus de 700 exécutions ont eu lieu. Parmi toutes ces victimes, dont le seul crime est de vouloir vivre en liberté, il y a les anonymes et il y en a d'autres plus symboliques. Et il y a une âme dans ce mouvement. Et plus prosaïquement, Madame la Présidente, la résistance iranienne dans toutes ses composantes est en partie l'artisan de cette mobilisation. Et plus particulièrement, et depuis des dizaines d'années, les Moudjahidines du peuple et son organisation, l'OMPI, luttent sans relâche et au péril de leur vie pour la liberté en Iran. Ils ont œuvré sans faille pour la victoire. À tous, et plus particulièrement à ceux que j'ai pu rencontrer lors de mes 3 passages en Albanie, je voudrais saluer leur force, leur courage et dire combien ils doivent être fiers de leur action. Si l'Europe et la France ont du mal à vous soutenir, vous avez trouvé dans notre pays des personnalités qui vous ont soutenu et qui vous soutiennent et qui vous soutiendront. Des élus locaux, des élus nationaux, des personnes publiques ou privées, de différents cultes ou partis politiques vous accompagnent. Le point commun de ces hommes et ces femmes qui vous accompagnent sont leur humanisme et leur sens inaliénable de la justice et de la liberté. Madame la Présidente, chers amis ici présents, chers amis d'Ashraf, à tout le peuple d'Iran, courageux jusqu'au sacrifice final, je vous souhaite que cette année soit enfin celle d'une liberté retrouvée, mais si chèrement payée. «
Bon, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, liberté. Liberté est un mot qui est inscrit dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Elle fait aussi partie des strophes de la Marseillaise de mémoire, la sixième ou la septième, liberté chérie. Ces valeurs-là, aujourd'hui, en France, on ne se rend plus trop compte du bienfait qu'on peut avoir pour notre société. Et souvent, on oublie. Liberté syndicale, liberté, le droit de vivre, liberté, le droit de se réunir, de protester, de vivre simplement heureux dans sa nation. Ce choix, aujourd'hui, n'existe plus en Iran, dans cet état d'une théocratie que je qualifierais de totalitaire. Même sur le plan international, la fourniture des drones qui bombardent l'Ukraine. Strasbourg, main de l'Est, est à 1100 km de la frontière ukrainienne. Mais aussi les otages français. Nous avons une otage française qui est alsacienne, hein, du corps enseignant, et qui est retenue prisonnier par les Mollahs. Cela commence à être inadmissible parce qu'il faut qu'il y ait ce pays-là un jour une vraie justice. Mais le combat que nous soutenons, et beaucoup m'ont précédé largement avant moi, puisque je soutiens l'Iran libre depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est surtout les jeunes, la population sur place. Et cette population lutte malgré toutes les contraintes, les répressions et tout ce qui s'y rajoute. Et ces jeunes versent leur sang pour cette liberté. Et cette jeunesse, aujourd'hui, se révolte et devient, comment dire, un grand mouvement qui, je l'espère, arrivera à l'aboutissement de Marianne Rajavi, des Moudjahidines du peuple et d'un Iran vraiment libre et démocratique. Elle a la force et la capacité de le faire. Soutenons-la. Sommes-nous sur la dernière ligne droite? Je l'espère. Et il est important qu'ensemble, nous arrivons à cette fin commune. Ensuite, ce sang versé par les jeunes Iraniens exige aussi une réparation après ultérieure, un jugement de ces dirigeants que je qualifie moi de terroristes. C'est toujours très dur et l'Alsace a payé le prix cher aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes seul camp de concentration en France et chez nous en Alsace. Et il est important de se rappeler que tous ces crimes doivent avoir réparation. Et il est important que cette jeunesse de demain puisse vivre dans un Iran libre, démocratique, ouvert au monde. Madame la Présidente, je ne peux vous souhaiter que cela arrive, mais je vous souhaite aussi la santé, parce que la santé, c'est la vie. La santé aussi permet de continuer cette lutte jusqu'à l'aboutissement final. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis du CNRI de l'OMPI, c'est un grand honneur. C'est la première fois que j'ai effectivement été convié à m'exprimer à Auvers-sur-Oise. Et donc, dans cette année particulière et à ce moment particulier où il convient de faire des vœux, je serais tout à fait partisan de réfléchir quelque peu et de dire avant, ne serait-il pas nécessaire de rendre un hommage avant d'exprimer des vœux. Et vous avez entendu aujourd'hui parler d'une expression très très importante, UR. Unité de résistance. Vous avez entendu parler des unités de résistance. Rien de ce qui se passe aujourd'hui en Iran ne serait possible sans la naissance et le travail des unités de résistance. Alors, que sont ces unités de résistance? Eh bien, c'est l'expression à l'intérieur de l'Iran de l'action du CNRI et de l'OMPI. Ce sont des dizaines, des centaines, actuellement des milliers de groupes, de quelques personnes, de quelques petites dizaines de personnes, qui chaque jour
mènent des actions. Chaque nuit, prennent leur courage parce qu'ils risquent la prison et potentiellement la mort pour les actions qu'ils mènent au nom de la liberté. Quelles sont ces actions? Eh bien, ce sont des fêtes de distribuer, pas peut-être distribuer, mais de coller des affiches, de mettre des graffitis, de détruire des affichages, des mollahs et du guide suprême, et puis aussi de lancer des cocktails Molotov. Nous ne savons pas, nos médias ne relaient pas ce qui se passe depuis des années en Iran et grâce à quoi nous voyons maintenant le peuple se lever. Il y a effectivement des cocktails Molotov qui sont chaque nuit lancés sur des bâtiments des Basijs, qui sont lancés sur des bâtiments de la justice ou soi-disant la justice, ou sur des bâtiments des fondations religieuses qui sont l'expression de la corruption au sein du pays. Eh bien, tous ces risques, toutes ces actions-là mènent effectivement au mouvement de révolution que nous voyons mettre enfin. Et à la base, il y a les Iraniens vraiment de souche et d'extraction moyenne ou qui sont dans les besoins parce que l'économie iranienne est dans une très très grande difficulté. Et à la base des unités de résistance, il y a la jeunesse. Et voyez-vous, je vais évoquer un souvenir qui m'a été transmis par Antoine Sfer, franco-libanais, créateur des Cahiers de l'Orient, en 2017. En 2017, Antoine Sfer était à Téhéran. Il marchait sur un trottoir et il voyait venir vers lui un mollah. Et avant que les deux ne se croisent, il y a deux jeunes qui ont croisé le mollah. Et en croisant le mollah, ils ont craché par terre. Et Antoine Sfer nous a dit, eh bien voyez-vous, il y a quelques années, donc nous étions en 2017, cela était impensable. Et d'un point de vue prophétique, Madame la Présidente, Antoine Sfer a dit, mes amis, voyez-vous, un pouvoir qui perd sa jeunesse a du souci à se faire pour son futur. Vraiment, l'âme du débat de cette colonne vertébrale des unités de résistance qui mène le pays là où il doit aller maintenant vers la révolution. Et cela était aussi connu du régime iranien. En 2018, je vais vous citer un passage d'un homme important, parce qu'il était à Mashhad, deuxième ville de l'Iran, n'est-ce pas ? Et il était en charge de la prière du vendredi. Et cet ayatollah, Jawad Amoli, en 2018, a dit « Si le peuple se soulève, nous, les religieux, nous serons tous jetés à la mer ». Donc, le pouvoir, déjà, savait que le feu était sous la cendre. Et donc, le travail des unités de résistance et le travail qui est fait maintenant pour accompagner cette révolte a été absolument essentiel. Et au mois de juillet 2017, nous étions nombreux à être à Villepinte. Et à Villepinte, en juillet 2017, l'OMPI a lancé une bombe atomique diplomatique. Et venu à la tribune de Villepinte, le prince Turki. Le prince Turki, Faisal Al Saud, donc fils de Faisal d'Arabie, ancien ambassadeur à Washington, qui est venu pendant 20 minutes faire une présentation et un discours à Villepinte, a terminé, Madame la Présidente, en vous disant, votre nom restera gravé
dans les livres d'histoire. Eh bien, le vœu que je formule aujourd'hui devant vous est de vous dire, je vous souhaite que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, vous commenciez à écrire les premiers mots du premier chapitre du moment où vous arriverez au pouvoir. Oui, bonjour à tout le monde. C'est vrai que maintenant, je suis un peu plus loin de vous. Par contre, vous me manquez. Je vous ai dans mon cœur et j'espère que, comme tous mes amis qui sont présents, je vois toujours ces amis de longue date vous soutenir. Et Dieu sait que ce n'a pas toujours été facile puisque, comme on le disait, on vous a diabolisé. Ce n'était pas évident non plus pour les politiques d'ailleurs d'argumenter. Il a fallu croire en vous et on a tous cru en vous et on a cru en l'homme et à la femme que vous représentez pour l'Iran, pour la jeunesse, pour être le pays qui deviendra, je dirais, un pays en paix, où les femmes et les hommes seront à égalité. Donc, je suis contente que les choses aient évolué, ça se voit. Ça se voit parce que, évidemment, on a parlé de toute cette révolution, 88, 2019, 2022. Ça avance, ça grossit. Les minorités ne sont plus. Ce sont des, on va dire, bientôt la majorité presque qui va prendre le dessus. Et c'est pour ça aussi qu'on voit les choses qui changent. Alors, les deux vœux que j'aurais, ça serait évidemment. Qu'il y ait une justice, qu'il y ait une justice pour tous ces morts, pour tous ces gens qui s'engagent à vos côtés, ces femmes, ces hommes, pour Mohamed Mehdi et Karami, pour Seyed Mohamed Hosseini, pour les personnalités malgré tout qui vous ont soutenu malgré les craintes, hein, l'actrice iranienne là, récemment, pour toutes ces femmes, ces hommes, cette jeunesse qui croit en vous. Donc il faut qu'il y ait une justice, ça c'est un vœu, il faut aller jusqu'au bout. Et j'espère sincèrement que vous allez réussir à redonner de la paix, de la joie à toute cette jeunesse, que les femmes puissent s'habiller comme elles le veulent, qu'elles puissent chanter, qu'elles puissent avoir les mêmes métiers que les hommes. Ridiculisez vos bourreaux, montrez-leur qu'une femme, et en plus en Iran, ce serait magnifique pour la politique. Voilà. À bientôt.